Tu es guéri. Je suis guéri. Je suis chez moi. J'ai été initié par ma tante. Tu n'as pas de nom? Si, elle s'appelle Joséphine. Elle m'a initié à la vie de cercle. Elle me donna l'emploi. Dans ma sorcellerie, j'ai tué mon père. Bon, j'étais à la maison et puis il était en train de nettoyer ses oreilles avec une plume. Comme ça. Et il a jeté la plume. J'ai pris la plume et j'ai. Ah non, qui l'a fait comme ça? Il a jeté. Et moi j'ai pris la plume, j'ai mis ça dans mon ventre. Partout où il passe, les hommes de Dieu lui dit que ta fille veut te tuer. D'ici, il va arriver à la maison qu'il oublie. Il est bien saisi. C'est par là que j'ai eu mon père. Je suis allée à Mongolo pour prendre un gourdin pour venir frapper sur sa tête à partir de 3h30. C'est là qu'il a achevé mon père. Ma mère, elle t'a... Tu l'as mangé? Oui, je l'ai mangé. Tu l'as transformé en quoi? Mouton. Ma mère, elle est plutôt expert comptable. Bon, je suis allée chier sur sa table pour qu'elle se trompe dans les chiffres. Pourquoi en plus de l'arrêter de l'enfant en prison? Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, au début, quand elle avait appris qu'elle était sorcière, elle a commencé à prier. Donc, ses prières me dérangeaient. Et une nuit, j'ai pris une seringue, j'ai mis le liquide de maladie de l'attention et j'ai piqué avec. Donc, depuis lors, elle a consommé. Malgré ça, elle continue de piquer. Bon, je sors avec elle parce que un moment elle était enceinte, elle avait une fille. Donc elle dit, c'est parce que tu es enfante que tu prends grossesse et puis tu fais une fille parce qu'elle va être la seule fille de la famille. Donc je me suis transformée en un homme. Je me suis transformée en un homme en tapant trois fois sur ma cuisse. Il est tapé trois fois sur ma cuisse. Oui, vas-y. Et j'ai invoqué l'esprit de l'autre, un fétiche du village. Le voulait dit. Et c'est dans ça, je prends le visage de mon père et je sois maman. Après ça, j'ai bloqué la vie de mes frères et soeurs. Mon grand frère Yves, j'ai appelé son âme trois fois et je l'ai attaché à un arbre pour le rendre fou. Mais non, il n'est pas fou. Après avoir fini de tuer mon père, comme mon père c'est un grand type. Donc on a vu les deux au village qu'on va enlever les bâches et les chaises pour faire un sacrifice. Donc c'est lui et puis pour faire comme mon sacrifice. Mais quand la période est arrivée, je me suis levée puis je suis allée dire à maman, ah, voici ce que je veux faire, voici ça. Et elle a pris l'envoyer. J'étais proclamée le 15 décembre l'année passée. Maintenant, ma grand-sœur Nadège. Tu as tué combien? 100. 100 personnes. 100 personnes. Tu fais comment? Non, mais je vous explique, ils ont la mémoire. C'est comme quand tu viens de tuer quelqu'un. Tu sais, tu as tué telle personne. Ils savent. On a compris. Donc, elle sert à cette mémoire la capacité de retenir le nombre de personnes qu'elle a tuées. Je me transforme en serpent et je me transforme en biche pour tuer les gens. Non, c'est pas possible. L'arme que vous utilisez, c'est serpent, c'est pas biche. Donc, ça, c'est pour quand on dit ça, pour programmer les accidents. Dans le mois de. Voilà, le biche là. Dans le mois de septembre, décembre, par là, je programme les accidents. Quand je vois une voiture venue de loin, je me transforme en biche pour paniquer le chauffeur. Voilà. C'est ce que je fais. Maintenant, serpent, soit il te pique, ou soit il t'en fout, et puis il te serve et puis dans tout ton sang. Tu as une semaine pour mourir. Donc, ma grand-sœur Nadège, elle, je l'ai mariée dans le monde spirituel. Donc, tu as deux femmes? Non,
ma maman, elle, ça cause de l'enfantement que j'ai fait ça. Comment t'as fini avec elle? C'est fini. Quelqu'un, je ça. Tu ne veux pas de temps en temps coucher avec elle? Non. C'est fini. T'as bloqué ce que tu voulais faire là? T'as fait. Maintenant, ma grosse Nadège, elle, il y a tout bloqué. Donc je ne veux pas qu'elle se marie. Il y a un masque sur son visage. Elle est où, Nadège? Elle a habitué. Tu as mis le masque. Il n'est pas que. Il n'est pas qu'on la regarde. Oui. Qu'elle est un mari. Oui, il n'est pas qu'elle est un mari. Maintenant, dans la maison, j'ai pris la maison pour faire comme un hôtel de la sorcellerie. Comme de l'autre côté là-bas, je suis une reine. Donc, je suis fatiguée, je vais aller jusqu'à Pompolo. J'appelle mon équipe à partir de 15h pour qu'on puisse se réunir à la maison pour faire nos œuvres de la sorcellerie. J'ai pris du sable. Et j'ai mis dans une bouteille. J'ai pris cette bouteille, j'ai envoyé ça à Fondolo. Et j'ai parlé des paroles mystiques pour dire que la maison m'appartient. Tous ceux qui viendront dans la maison pour venir prier au haut-là, les prières, que les prières soient enterrées. Donc, au moment où les gens sont épriés, quand je prie eux, mais je me mets de côté, je me moque d'eux. Et ils finissent de prier. Au moment où ils sont épriés, même ils sont fermés, les petits trous. Et ils finissent, j'enterre. La prière que je fais. Quand les prières ne montent pas, si je travaille à la maison, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de toiture, il n'y a pas de porte, rien. Il n'y a pas de mur aussi. Donc, dans le monde spirituel, chez nous, de l'autre côté, par de mon père, la sorcellerie, c'est de génération en génération. C'est-à-dire qu'il doit avoir forcément un. Il va procéder pour fatiguer la famille. Non, c'est toi. Non. Ce n'est pas pour moi, parce qu'il m'a initié encore là, mais si elle meurt. Mais ce qu'il t'entend, c'est pas fatigué. Aïe! C'est fatigué, la famille. Tu ne vois pas ça comme fatigue. Nadège, t'as mis les masques pour célibat. T'as bloqué, touche ta maman. Tu tues les gens. C'est pas fatigué, les gens. Toi-même, tu dis tes rêves. Tu attends quoi, quel grade? À ce stade-là, il n'y a plus de grade. Qu'est-ce que tu as fait? Donc, à l'âge de 16 ans, j'ai signé un pacte. Tu as quel âge? 24. Comme chinois. Il a perdu sa tête. La nuit où on grandit là, toi tu es en train de faire sorcellerie. Comment tu vas donner ta vie? Dieu te cherche dans le lit pour dire qu'il faut monter de tel sentier. Tu n'es pas là. Mais ça va avec la taille. On te donnera, tu sais au moins, 13 ans. Ou bien? Oh, tu es une fille, mais. Elle peut faire foyer, ou bien? Allons-y. On a fait une pâte de sang, elle et moi. Qui? Ma tante et moi. Parce qu'elle est déjà vieille, donc elle se dit que si jamais elle meurt, c'est moi qui ai le pouvoir de la reine de la famille. Tu vas régner sur toute la famille? Sur toute la famille. Elle régner sur toute la famille. Il vient d'y quelqu'un, on fait de génération en génération. Donc il faut avoir toujours. Quelqu'un à côté qui va prendre. Quelqu'un qui est en train de pouvoir. Voilà. Mystique. Donc, on s'est coupé le bras gauche. On a mis nos sangs ensemble. On a parlé. J'ai juré de continuer la société jusqu'à la fin de mes jours. Donc, c'est ce que j'ai fait là-bas. Moi, je n'étais pas prête à laisser. Voici. Je n'étais pas prête à laisser, mais depuis, j'ai tué mon père. Vraiment, mon père n'est plus là-bas comme on est. La manière que je viens faire du mal aux gens. Le cœur qui est en vous là, c'est sans remords. Le cœur, quand c'est Jésus seul, il peut le transformer. Tu ne peux pas. Donc, on ne peut pas dire c'est depuis. Non. Et tu continues de faire ça, Seigneur.
t'écoute. Hein. Donc, c'est ce qu'on appelle le mois. À partir de 15 janvier, chaque année, normalement, on va renouveler notre pouvoir au bord de la mer. Comment on fait? On arrive là-bas, c'est avec les invocations qui appellent la Seigneur des eaux. L'esprit des eaux? Oui. Elle est appelée. On appelle la Seigneur des eaux. Elle est comment? Comme c'est votre camarade là. Elle est grande. Mm-hmm. Elle a de l'enfant. Mm-hmm. Et elle est belle. Mm-hmm. Laissez un peu de belle. Elle, il y a quoi? Elle a tout le pouvoir. Le pouvoir de tuer, la mort, l'accident. Ça tue les grands poissons. Oui. Maintenant, vous partez là-bas, là, c'est pourquoi? Bon, comme souvent quand on va dans les combats, mm-hmm. on fait le combat. Souvent? Oui. Moi, on est des armées. Pourtant, mon matin, elle n'a pas commencé. Ils sont faibles. À partir du 15 janvier, 15 mai, le 15 septembre, elle est 15 janvier. 15 mai, 15 septembre. Pour renouveler votre pacte. Pour renouveler. Vous parlez avec elle, vous partez sous la mer, vous parlez avec elle. Non, on parle avec elle. Elle sort. On reste lui. Pendant combien de temps? Ça ne dure pas. C'est une heure de temps comme ça. Et puis qu'est-ce que vous chargez? Voilà. Le pouvoir négatif. Oui. Et donc quand tu viens, tu as la capacité de nuire les gens. Oui, c'est ça. Tu fais quoi autour de toi? Le 4. Quoi? Mariage. Mariage. Fécondité. Fécondité. L'argent. L'argent. La mort. Accident. Attends, tu vas à l'église? Oui, je vais à l'église. Seigneur. Tu chantes aussi? Tu chantes? Oui, je chante. Et tu vois rien. Le fait de brûler un peu. Non, quand on allait à l'église, j'enlève mon corps dans ce sommeil, je dépose dans la maison. Puis je vais vite. Tu mets ça où? Dans un sac ou bien? Non, oui, je mets ça sur mon sac. Ça dépend de mon sac, je mets sur mon lit. Donc quand tu reviens, il rentre en toi. Tu contrôles ton travail. Oui. Vous la regardez, non? Elle est dans ses démons. Hein? Vous t'écoutez, quoi d'autre? C'est ce que j'ai fait. Et ta mère? Ta maman? Tu as fait quoi sur ta maman? Tu l'as programmée, c'est pour quand? Ta mère? Elle va mourir quand? Bon, elle, comme dans la conférence, là, je suis avec ses parents. Quand je la programme, ses parents se posent. On est distrait. À un moment, tu vois là, le film me vient comme ça, c'est pour le 4 avril. N'est-ce pas? Oui, c'est ça, il là. Quand je la programme. Ses parents, quel pouvoir de venir la déprogrammer? Ils ont quel pouvoir? Le pouvoir suprême, c'est Jésus. Tu as reçu à la voix et elle va mourir le 4 avril. N'est-ce pas? Madame? Oui. Là, c'est une dame maintenant. Tu avais 4 ans. N'est-ce pas? Pourquoi tu ne voulais pas dire ça? Parce que dans tes aveux, c'est ça qui devrait sortir. Tu as gardé, ok. Mais les victimes, ceux que tu as détruits, tu as donné le cœur à ta tante, c'est ça? Oui, elle a donné le cœur à ma tante. Toi, t'as mangé quelle partie? De mon repas. Pas maman. Tu dois mourir le 4. Tu as détruit quoi et quoi et quoi? Qu'est-ce qu'elle a commis? J'ai dit ce que tu as fait à ma maman. Oui. La destruction que tu as fait en matière de sorcellerie. Tu as quel grade là-bas? Je suis la deuxième reine là-bas. Deuxième reine. Oui. Je suis même
Parce qu'elle émet, elle a... J'ai l'impression que tu deviens comme, non, comme un caïman, n'est-ce pas? La peau d'un caïman. Quand tu pars au combat, c'est pas ça? Oui. Pendant que je parle, je vois, c'est ce qui est ta force. Quand tu vois ta feuille affrontement, c'est ce qui est ta force. N'est-ce pas? Oui. C'est le pouvoir là que tu as pour amortir les coups. Oui. Que Dieu nous aide. C'est à quelqu'un que Dieu nous aide. Amen. Ouais. Nous sommes famille, les conneries. La sorcellerie, c'est vraiment terrible. Vous la regardez. Amen. Amen. On va prier, n'est-ce pas? Se tient debout. Je sens qu'on doit prier, c'est comme ça, le prophétique. Tu vois, tu as entendu les aveux, c'est-à-dire qu'il y a dans les aveux la chose que tu dois retenir. On peut programmer les choses contre toi. Tu avais vu tout à l'heure, tu as vu dans les aveux. Il faut prier de telle sorte que ce qui a été fait sur toi soit détruit au nom de Jésus. Nous prions le Seigneur. Amen. Écoutez, je vous ai dit tout à l'heure, c'est vous qui allez prier. C'est ta prière là que Dieu va exaucer. Amen. Même si on doit t'imposer les mains, ta prière. Tu m'as bien saisi. Or, la prière, on ne fait pas dans le cœur. Le prier de combat, on ne fait pas ça dans le cœur. On ouvre la bouche et on prie. Oui, ça va? Comment vous appelez-vous? Ok. Quand on te voit, quelqu'un qui ne voit pas clair va te dire que tu es sorcier. Mais on t'a porté habit de sorcellerie. Si quelqu'un ne voit pas clair comme moi, il va t'accuser de sorcier. Sinon, tu es habit de sorcier. On t'utilise pour aller pratiquer la sorcellerie. Je vais revenir encore sur le dossier. Nous allons prier. Il faut prier et demander au Seigneur de te délivrer. Nous prions ensemble le Seigneur. On ouvre la bouche, on parle. La puissance de Jésus te délivre. La puissance de Jésus te délivre. Je sens que Dieu est en train de délivrer les entrailles d'une dame. Ton ventre a commencé à être délivré. Oui, Père, reçois ton miracle. La soeur qui est en bleu là, Jésus te touche maintenant. Jésus te touche maintenant. Le feu sur toi, la puissance de Jésus te touche. Reçois la puissance de Dieu. La puissance de Jésus-Christ te touche. Oui. Lâche-la. Lâche-la. Le feu. Amenez-la ici, s'il vous plaît. Le feu. La puissance de Jésus-Christ vous touche. Feu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Nous touche maintenant. Te touche maintenant. Reçois cette main de Dieu sur toi. Cette main de Dieu sur toi. Au nom de Jésus. Allez! Vous lâchez sa vie. Qui es-tu toi? Qui es-tu? Qui es-tu? Oui, qui es-tu? Qui es-tu? Oui, qui es-tu? Toi, qui la possède. Qui es-tu? Qui es-tu, toi? Tu as m'étonné ton nom. Qui es-tu? Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Qui es-tu? Oui, tu vas parler parce que Jésus-Christ a décidé de la libérer. Qui es-tu? Qui es-tu? Tu vas parler. Qui es-tu? Qui es-tu?
Qui es-tu? Toi. Toi. Qu'est-ce que tu fais dans sa vie? Qu'est-ce que tu fais? Laisse son ventre. Laisse. Laisse son ventre. Lâche. Lâche son ventre. Lâche. Lâche son ventre. Lâche son ventre. Lâche. Lâche son ventre. Lâche son ventre. Lâche son ventre. Qui es-tu? Toi. Oui. C'est qui? Toi. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Tu vas parler? Oui, tu vas parler. Oui, toi qui? Toi qui? Toi qui? Je suis le plus fort! Tu es le plus fort? Ouais. Qu'est-ce que tu as gâché dans sa vie? Qu'est-ce que tu as fait dans sa vie? Qu'est-ce que tu as gâché dans sa vie? Qu'est-ce que tu as. Oui. Elle. Oui. Elle. Oui. Moi. Oui. Oui, toi, oui. Je suis le plus fort. Oui. Je m'appelle. Bayo Adjoussou. Oui. Osi Papri. Oui. C'est moi. C'est toi. Je la gouverne. C'est toi qui la gouverne. Oui. Depuis quand? Il y a très longtemps. Comment tu es rentré dans sa vie? C'est ma fille. Ok. C'est ma fille. Ils t'ont donné, ils t'ont donné. Ils te l'ont donné? Oui. Qui te l'a donné? Ses parents. Tes parents, comment? Oh, ouais. Oui. Donc tu la possèdes, c'est ça? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu as gâché dans sa vie? Moi. Qu'est-ce que tu as gâché dans sa vie? Qu'est-ce que tu as gâché dans sa vie? Qu'est-ce que tu as gâché? J'ai dit que. Oui. Elle s'occupe. Oui. De sa mère. Oui. Ça ne me plaît pas du tout. Ah bon? Oui. Sa mère est ma femme. Alors, oui, c'est moi qui ai dit ça. C'est moi qui ai dit ça. Et pour cela, tu as fait quoi? Je veux pas que. Elle travaille. Travaille. Parce que quand elle travaille, elle vient nous voilà. C'est toujours sa mère. Toujours sa mère. Toujours sa mère. C'est pas bon. Non. Ah bon? Pourquoi? Parce que c'est sa maman. Moi d'abord. Toi, t'es qui? Moi, je suis Baï. C'est où ça? Moi, je suis Baï. Ah, donc c'est toi qui dois aider? Oui. En quoi faisant? Elle doit tout me donner. Ah bon? Hein? Tout. J'ai dit que. Mais tu la possèdes déjà? Si elle se marie aussi. Elle serait très heureuse. Et sa maman serait contente. Donc moi. Tu n'es pas d'accord? Je ne suis pas d'accord. Ah bon? Et elle n'aura pas d'enfant. Ah bon? Pas d'enfant! Tant que je suis là! Tant que je vis! Voilà! Elle n'aura pas son enfant! Deuxième plaisantin! Écoute! Écoute! J'ai appris même que. J'ai appris que. Elle s'est mariée en cachette! Oui! J'ai appris ça! Qu'elle s'est mariée en cachette! Mais. Écoutez, écoute-moi bien toi. Elle n'aura pas son enfant. C'est moi, je dis ça. Au nom de Jésus, t'es un menteur, Satan. Oui. Oui. Allez, fais sous toi les feux. Toi, les feux, allez. Tu vas la libérer. Son enfant, elle n'aura pas. Si, elle aura un enfant. Si, elle aura un enfant. J'ai vécu au nom de Jésus. Lâche-la, allez. Lâche-la. Lâche-la. C'est mon frère. C'est ma fille. Non. Je dis. Son âme appartient à Jésus. Son âme appartient à Jésus. Lâche-la. Libère sa fécondité. Maintenant même. Dans le nom de Jésus. Allez, lâche-la. Le feu sur toi. Allez, le feu. Allez, le feu. Le feu. Le feu. Le feu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Allez, la puissance de Jésus. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu.
Lâche-la, allez, feu. Allez, feu. Quoi? Fais sur toi. Allez, feu. Feu. Lâche-la. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Allez, commande, allez. Feu. Allez, feu. Allez, feu. Allez, feu. Allez, feu. Allez, lâche-la. Feu. Feu. Commande, allez, feu. Lâche-la. Tu vas la libérer. Viens ici. Tu vas la libérer. Tu vas la libérer. Tu vas la libérer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commande, allez. Oui, feu. Feu. Monsieur caméraman, toi, les tuer. Feu, allez. Oui, oui, oui. Feu. C'est les sangs de délivrance. Feu, allez! Libère son ventre. Lâche-la, libère-la. Allez, libère-la. Libère-la. Si, tu vas la libérer. Tu vas la libérer. Dans le nom de Jésus. Feu sur toi, allez! Feu! Il y a le feu. Allez, feu! Allez, feu! Feu! Feu, allez! Feu! Feu! Allez, feu! Comment? Allez, feu! Lâche-la! Feu! 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 Allez, feu! Feu! Comment? Feu! Feu! Le feu. Allez, lâche. Le feu. 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 Va-t'en. Lâche-la. 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 Oui. Oui. Libère-la. 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 Arrête ton feu. Lâche-la. Arrête. Libère-la. Le feu n'est plus. Laisse sa fécondité. Il laisse son travail, il laisse toute sa richesse, il libère toute sa vie dans le nom de Jésus. C'est un ordre. Allez, dégage, sors, allez. Go, allez. Va-t'en. Va-t'en. Au nom de Jésus. Va. Va-t'en. Va. Va. Allez, va. Allez, va-t'en. Va-t'en, allez. Va-t'en. Allez, va-t'en. 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 La puissance de Dieu t'écrase. La puissance de Jésus. La puissance de Dieu. La puissance de Jésus. La puissance de Jésus. La puissance de Dieu. La puissance de Jésus. La puissance de Dieu. T'écrase. Maintenant même. Maintenant même. Maintenant même. Maintenant même. Au nom de Jésus. 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 La puissance de Dieu. T'écrase. T'écrase maintenant. La puissance de Dieu. T'écrase maintenant. La puissance de Dieu. T'écrase. Allez, quitte, quitte, va, va, va-t'en, 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 le feu, le feu, allez, lâche-la, 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 allez, lâche-la, au nom de Jésus, allez, feu, le feu. Le feu, tu la libères maintenant même. La puissance de Jésus-Christ, la puissance de Dieu. Oui, libère-la. Je libère son pote. Oui, au nom de Jésus. Je libère. Allez. Je libère. Ah oui. Je libère. Oui. Je libère son pote. Oui, oui, libère. Je libère. Libère son pote. J'ai mis une boule. Oui, j'ai vaincu cette boule-là. Mis cette boule là au nom de Jésus dans son ventre depuis longtemps. J'ai détruit cette boule. J'ai libéré. Oui, amen. J'ai dit que c'était un fibrome. Oui. Mais j'enlève cette boule. La puissance de Dieu. Je la jette. La puissance de Dieu. Je la jette. La puissance de Dieu. Je la puissance de Dieu. Je la puissance de Dieu. Je la jette. La puissance de Jésus. Je la jette. Te délivre maintenant. Sa puissance te guérit. Ta puissance te délivre. Sa puissance te délivre. Quitte définitivement sa vie. Quitte. Définitivement sa vie. Quitte. Définitivement. Je voulais garder son travail. Je laisse son travail. Oui, lâche son travail. Il a les mains gonflées avec son patron. Oui.
C'est moi j'ai fait ça. Lâche-la. C'est moi j'ai fait ça. Oui, tu vas la libérer. C'est moi j'ai fait ça. Tu vas libérer son travail. J'ai mis. Oui. Tout ce qui est noir sur elle. Pour que rien ne le réussisse. C'est moi qui ai fait ça. C'est toi qui as fait. Je laisse tout ça. Oui, lâche. Je la laisse. Oui, lâche-la. Parce que toi, oui. Tu es trop fort. Je suis Jésus. Tout ça. Oh, mais je suis plus fort que toi. La puissance de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour sa délivrance? Tu lèves là. Tu lèves là. Ça va? Salut-moi. Guilinawali. Onkamo Wazile. D'accord, Guilinawali.